Il est temps de rencontrer Turbo Scrub. L'épurateur puissant, sans fil, rechargeable pour brosser et vous permettre de nettoyer le bas et le haut sans se pencher ou s'étirer. La puissante action tournante de 300 tours minutes rend les carreaux sales brillants et les joints crasseux comme neufs. Cuisiné ou brûlé, Turbo Scrub nettoie pratiquement toute saleté de n'importe quelle surface. Il est assez difficile de nettoyer sans frotter et ne pas rayer. Il aide même à rendre le brillant et l'éclat des agencements et des installations pour une finition pétillante. Et pour l'anneau autour de la baignoire, c'est le meilleur. Le secret est la puissante batterie rechargeable de longue durée qui offre 300 rotations par minute de puissance de nettoyage. Laissez-le faire un nettoyage difficile rapidement et facilement. Turbo Scrub sans fil est étanche à l'eau et dure jusqu'à 45 minutes avec une seule charge. Lors de l'utilisation de la brosse de coin, veillez qu'elle soit bien placée dans les coins difficiles à nettoyer. Turbo Scrub rend les travaux les plus difficiles faciles à réaliser. Regardez comme elle enlève de la moisissure des joints de la douche. Cela facilite même le nettoyage des toilettes. Il est extraordinaire sur les surfaces texturées comme la pierre naturelle. Le turbo nettoie dans tous les coins et recoins. Regardez au ralenti et vous pouvez voir la brosse à 300 tours minutes, afin que vous sachiez que c'est un épurateur puissant dans la cuisine. Il nettoie facilement les cuisinières grasses ou les grilles métalliques. Il nettoie pratiquement tout et l'évier de la cuisine. Le turbo peut même frotter les marques d'éraflure sur vos plinthes sans rayures. Et il atteint la poussière jusqu'à vos plafonds et bordures. Prenez-le à l'extérieur et nettoyez facilement la saleté de vos meubles de patio. Et nettoyez la moisissure pour que votre clôture soit comme neuve. Il est parfait pour nettoyer la saleté des rails des portes coulissantes et fait aussi face à la saleté de vos roues. Turbo Scrub, commandez aujourd'hui.